Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Exa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour le coup de cœur, le petit ressource pack, pardon, excusez-moi, je viens de me lever, normal, voilà, si je galère un peu à parler. Pour le petit ressource pack coup de cœur de cette semaine numéro 14, et aujourd'hui, on se retrouve pour un pack de détection, vous m'avez quand même pas mal demandé. Et pour certains, bah, vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo, donc déjà, bah, je tiens à dire que voilà, quelqu'un a déjà fait une présentation de pack, hein, donc c'est juste un coup de cœur. Série pour ceux qui ne le savent pas, donc en gros je vous fais voir des ressources packs que j'aime bien, que j'ai bien aimé pendant cette semaine, tout simplement. Mais ce n'est pas moi qui les ai fait, etc. Hein, voilà, c'est by Canou 9 d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera en description, simplement. Donc la vidéo où j'ai pris tous ces trois liens plus celui-là, bref, donc du coup voilà, donc il existe donc en green, en purple et en red et en blue. Donc ce n'est pas le Matox V-Pack version 4 officielle, hein, parce que bah voilà, ce n'est pas lui qui l'a sorti, mais c'est un jeune créateur, enfin un créateur voilà, qui s'est amusé un petit peu à essayer de deviner quel serait le Matox V4, un peu en mode fun, hein. Franchement c'est un bon pack de texture, je pense qu'il sera assez similaire, hein. Donc du coup voilà, pour ceux qui se demandaient, franchement, j'ai hâte de casser des trucs, bref, donc du coup voilà, donc il existe en blue, donc c'est la version que je vais vous présenter aujourd'hui. Il existe également comme je vous l'ai dit, donc en green, donc et en red. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça donne en red et en green avant de l'installer, peut-être bah, le mieux c'est de l'essayer vous-même. Mais si voilà, vous n'êtes pas convaincu du blue, je vous invite plutôt le mec qui sait pas parler, allez voir la vidéo. Donc c'est vous revenez un petit peu dans le temps, enfin voilà, pour ceux qui regardent la vidéo au jour même ou le lendemain, enfin bref, pour les autres, bah voilà, vous devez simplement au pire, vous savez quoi, je vais vous mettre une petite annotation, je vous mets une annotation à l'écran, ceux qui sont sur portable, bah, je vous la mettrai dans la description, ou voilà, je vous mets la vidéo, donc j'utilise le green et le red pour que vous voyez un petit peu comment ça donne. Bref, j'espère que vous avez compris. Donc du coup voilà, donc ouais, aussi pour les ressources pack, donc parce que je ne parle donc pas que le Matox aujourd'hui, c'est le Origin par Holomat, donc l'édition 1.0, donc c'est simplement on va dire un pack de texture qui regroupe tous les blocs de l'Origin, parce que comme vous le savez, bah, je n'arrive plus trop à jouer sans les blocs de l'Origin. Et bah, vous m'avez dit que voilà, il y en a pas mal d'entre vous, donc du coup voilà, je vous donne cette petite solution qui est simplement de prendre ce petit pack. Donc je vous mettrai également dans la description, ça vous permet voilà de garder les minerais tout en ayant les épées par contre en mode bien et tout. Donc du coup voilà, donc ça permet de garder les blocs de l'origine. Maintenant aujourd'hui on va se concentrer donc que au Matox V-Pack 4 Blue. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, il y avait un lien donc à l'écran, hein, pour le raid. Donc du coup voilà, qu'est-ce que ça donne. Alors voilà pourquoi je préfère hein, les blocs de l'origine par contre. Bref, donc du coup voilà pour les minerais, diamants, tout ça de ça, hop voilà, là il n'y a pas le petit contour, hein, vous aurez remarqué, bref c'est pas bien grave, hein. Donc du coup voilà, hop, on va dégager en bas, voilà, on revient là, donc du coup voilà, donc on va faire voir les épées, hein, on essaye d'aller rapide, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette série, donc du coup désolé si c'est un peu lent. Donc du coup voilà la Wooden Sword, hein. La Golden Sword, la Stone Sword, hein, qui est assez stylée, la Iron Sword que je trouve vraiment très classe, et la Diamond Sword qui est vraiment bien, et elle peut être encore plus sa race en vert et en rouge. En bleu j'aime pas trop, mais enfin voilà quoi, c'était pour ceux qui n'avaient pas vu dans la vidéo, comme ça au moins bah, vous avez le bleu, aussi la version bleue. On va prendre ça, on a pris un briquet, ouais, on a pris un briquet. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà pour les particules donc de flèches. Franchement l'arc est dégage. Non mais genre qu'est-ce que tu fais là en fait, enfin, genre dégage. Bref, donc du coup voilà, hein, donc les flèches en critique qui sont assez sympas. Voilà, donc en gros ouais, pour ceux qui avaient pas compris, hein, pour tous les packs, pour toutes les couleurs, ça ne changera, hein, c'est juste ouais, pour mettre ça là. Oh putain c'est la merde. Ok non c'est bon. Voilà, on fait les petites opérations également, donc ouais c'est juste les couleurs qui changent, alors rien d'autre ne change.
Donc voilà pour le feu, il y a le low fire, les potions d'huile, voilà, ça fait comme ceci. ODMG, il y a une sorte de petite particule dedans, hein. Bref, bon, ça vous avez dû le voir dans les packs de texture de Matox, pour ceux qui suivent. La Golden Apple qui est comme ça, et comme ça pour la Golden Apple Cheat, enfin bref, voilà. donc c'est plutôt sympathique en fait. Donc voilà pour le restant, pour la nourriture. Bref. Ok, donc on a déjà activé ça. Donc ouais, comme à notre habitude, voilà, il fallait voir ça aussi. Hein. Je crois que j'avais oublié dans la dernière vidéo. Bref, je sais pas combien de temps de rack on est. Attends, il faut que je check ça vite def. Nous sommes à 5 minutes. Ouais, ça va, on a le temps vite fait encore. Voilà, par contre, ouais, voilà, là, c'est des petits freeze. Donc du coup, voilà, donc les petits coups de sharpness normal. Et les coups critiques plus sharpness, voilà, tout simplement. Bon, ça c'est cassé. On va mettre ça là. Donc voilà pour les coups critiques plus sharpness et les coups de sharpness normal. Voilà, bien évidemment, on fait souffrir ce pauvre villageois. Donc du coup, voilà. Hop, on va reprendre du coup, comme à notre habitude, les petits items. Hein, vraiment très très bien. Voilà. Alors par contre, je mets pas ça comme ça. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc pour l'armure en cuir, l'armure en or, l'armure en maille, voilà, qui est pas trop trop changé. L'armure en. Hop, l'armure en cuir, en fer, pardon. L'armure en fer, l'armure en diamant, voilà, avec ce dégradé vraiment de plus foncé jusqu'à plus clair que j'adore et qui représente donc surtout les packs. Et l'armure en diamant, franchement, trop classe quoi. Franchement, j'adore. Donc, du coup, voilà. Hop, on va essayer de réparer vite fait ça là, parce qu'on fait des conneries là depuis tout à l'heure, enfin, depuis le début de cette série, on casse tout. Donc, du coup, voilà, hop, on va dehors maintenant. Alors, oui, attention, là, c'est le moment où la vidéo risque de un peu bugger. Non, même pas. Pour la nuit, ah ouais, non, c'est vrai que j'ai un problème avec Minecraft. Bon, en gros, pour la nuit, voilà, je vous laisserai vous-même tester. Mais c'est sympa, franchement, c'est sympa de mémoire. Quand je l'ai vu sur la vidéo. Bref, donc du coup là, donc bon, si vous voulez vraiment une release, on va dire complète, hein, vraiment de tous les blocs, etc. De ce pack, bah, je vous invite simplement à aller voir la vidéo du main, donc elle sera en description. N'hésitez pas à aller voir également ma vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne en comment ça s'appelle. En bleu, enfin en rouge, et plutôt en rouge et en green, pardon. N'hésitez pas, voilà, à le télécharger hein, comme d'hab. Le purple, voilà, je vous ai pas fait voir parce que c'est celui que j'aime le moins, mais il est vraiment sympa également. Donc, enfin voilà quoi, allez voir vite fait, ça pourrait plaire à quelques-uns d'entre vous. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Exa, je vous aime bien. Bye bye tout le monde.